Et si la rupture entre le prince Harry et Cressida Bonna n'était pas définitive? Selon le Mail on Sunday, le prince Harry, qui est en ce moment aux États-Unis avec son frère pour célébrer le mariage d'un couple d'amis, n'aurait pas encore tourné la page et continuerait de penser à son ex. Des proches du fils cadet de Lady Diana affirment même que, malgré les apparences, le prince Harry n'aurait pas vraiment la tête à faire la fête. Le jeune homme serait au contraire très anxieux et aurait envoyé jusqu'à 15 SMS par jour à sa belle. Il l'aime vraiment. Il fait tout ce qu'il peut pour lui prouver qu'elle est celle qu'il veut, a déclaré un ami du prince. Ils sont toujours amoureux, alors ce n'est peut-être pas fini. Elle lui manque vraiment, a ajouté un autre proche. Selon certains, Cressida Bonna et le prince Harry ont commencé par se disputer au sujet de ce fameux mariage aux États-Unis avant de rompre. La jeune femme aurait reproché au prince d'y aller pour faire la fête. Les choses auraient ensuite dégénéré jusqu'à la rupture. La mère de Cressida Bonna, Lady Mary Gay, tenterait de recoller les morceaux comme elle le peut. Quand Cressida a explosé face à Harry, Mary Gay lui a dit qu'elle était stupide. Elle a dit à Cressida de faire attention à ne pas faire fuir Harry en explosant de la sorte, a expliqué un proche du couple. Certains affirment également que Cressida Bonna se trouverait trop jeune pour devenir un membre de la famille royale britannique. Cressida pense qu'elle est trop jeune pour gérer tout ça et Harry ne peut pas le lui reprocher. Il veut quelqu'un qui soit volontaire pour passer sa vie dans l'œil du public, pas quelqu'un qu'on pousse là-dedans de force, a conclu un ami du prince Harry. Avec Cover Media à propos de l'auteur Lucille Pesquet, The Derniers Articles, et quand Vincent Dessagna parle de sa vie sexuelle avec Roselyne Bachelot, vidéo Jacques Weber, Ségolène Royal et Has Been en politique, Miley Cyrus donne un cours de langue à Antoine Decaune, vidéo,